Salut à tous. On va parler cash, hein, n'en déplaise. Et je le répète, hein, l'écoute de mes vidéos est volontaire. Âme sensible, s'abstenir. Ouais, non? Donc ceux qui viennent ici, ils savent à quoi s'attendre. Ils auront du sang tabou, ils auront du cash. Ouais, non. Voilà, donc c'est juste pour que les gens comprennent quoi. Que je ne fais pas la politique ici. Donc, si tu n'es pas content, passe ton chemin. Je n'ai pas que ça à foutre. Lorsque France 24, TV5, les magazines du monde entier, les journaux télévisés de la terre entière, lorsqu'ils vont annoncer qu'Ali Bongo est mort, si au moins il est mort, parce que c'est toujours entre parenthèses, y a des sorciers qui attendent ce moment précis pour prendre leur caméra et vous dire à tous que prenez les rues. Moi, je les connais. Je sais comment ils sont. Je les connais. Oh. Je connais comment ils sont. Donc, dès qu'ils vont, on va dire, ouais, je vais te viser. Le président Ali Bongo est décédé en Riyad. Il est mort sur une AVC. Dès que c'est fini là, les gars vont prendre leur téléphone, ils vont prendre leur caméra, ils vont enchaîner l'évangile de la mort. Les Gabonais, levez-vous, l'heure a sonné. Et pour ceux qui viennent maintenant sur ma page, j'ai déjà décodé les messages. Je vais vous expliquer en détail ce que les phrases là veulent dire. Que veut dire la phrase « levez-vous » ? Que veut dire la phrase « on ne lâche rien » ? Que veut dire la phrase « on leur a sonné » ? Allez lire la définition. J'étais vraiment explicite. Et c'est vrai, hein? J'ai pas menti. J'ai traduit les phrases là pour que le Gabonais lambda comprenne. Et quand ils vont le faire, je vous demande de rester chez moi à la maison. Parce que la vérité, c'est que au Gabon, aujourd'hui, on n'est pas de leader. Donc, c'est bien beau de se soulever pour que la dictature s'en aille. Mais c'est pour que quoi la remplace ? Je répète, c'est une bonne chose de se lever pour libérer le pays. Mais libérer le pays pour donner ça à qui? Qu'est-ce que pour toi le mot libération veut dire? Il faut que tu poses les bonnes questions. Qu'est-ce que la libération veut dire pour toi? Ça veut dire quoi pour toi? Axel, ça veut dire pas la tchap. Non, tu vois, il y a des esprits qu'on veut manipuler. Quand tu es comme ça, on va te manipuler. La libération, c'est pas ce qu'on entend. Tu comprends, hein? Donc Ali Bongo et moi, on reste calme. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de plan. Il n'y a pas un plan établi qu'on a ensemble. On n'a pas de leader, on n'est pas structuré. Donc on se lève dans le désordre, on va se prendre les leaders. Donc, restez à la maison. Ils font leur annoncement. Qu'ils disent qu'il est mort, ou bien il est ressuscité, il est en vie, il est malade, peu importe, il revient. Dans tous les cas, hein, la nouvelle là va être instrumentalisée par des gens qui ne veulent pas réfléchir, par des gens qui sont méchants. Mais vous ne devez pas les suivre. Ils vont multiplier les lives en direct. Ils vont faire beaucoup de vidéos. Levez-vous, Gabonais. Levez-vous. On ne lâche rien. L'heure a sonné. Le moment est venu. Et beaucoup vont faire ces vidéos-là. Pour vous inciter à aller dans la rue. En espérant que dans le chaos-là, ils puissent renverser la dictature. Ouais, non? Voici leur plan B. Mais vous n'avez pas de plan B. Eux, ils ont un plan B. Leur plan B, c'est vous. Vous devez aller mourir. Mais vous-même, vous n'avez pas de plan B. Même les babouches, tu n'as pas les babouches. Même les sans confiance, tu n'as pas. Tu vas faire comment aller dans la rue? Tu vas aller mourir, cadeau. Donc, quand on va te dire que machin, tu restes à la maison. On reste au calme. On reste au calme. On reste au calme. On n'a pas besoin qu'Ali Bongo meure pour se lever. On n'a pas besoin. Je dis, hein, la vraie révolution n'attend pas une occasion favorable pour se faire. La vraie révolution, elle se fait quand les gens sont prêts. Donc, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'Ali Bongo meure, qu'il vienne à la vie, qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, la vraie révolution se fait quand on est prêt. Est-ce que vous comprenez? On fait des révolutions quand on est prêt. On ne fait pas une révolution parce que quelqu'un est mort, quelqu'un est revenu à la vie, parce qu'il pleut, parce qu'il y a la neige, parce qu'il fait beau. Non, 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 non. On fait la révolution quand nous-mêmes, on est prêts et on sait ce qu'on fait, et on sait nous-mêmes consciemment ce qu'on fera dans la rue. Vous voyez le win, non? Parce que quand on sort maintenant, on sait que là, on va au bord de mer, on attrape Ali Bongo, on attrape les militaires, on attrape le général et on installe au pouvoir celui que l'on veut. Tout est déjà clair. C'est déjà clair. On sait que si on meurt, il y a la relève. Tout est déjà préparé, un peu comme au Burkina Faso. Ils n'ont pas tenu une élection, ils n'ont pas tenu la mort de quelqu'un, ils ont fait leur révolution comme ils voulaient. Donc on attend que la vraie résistance mette en place, qu'elle s'organise, qu'elle se structure avec un vrai leader pour pouvoir poser des actions telles que prendre les rues, manifester pour que le régime tombe. Tant qu'on n'a pas de leader, tant qu'on n'a pas encore une structure bien organisée, un bon cadre de choses, des vrais penseurs, un vrai plan d'attaque sur le terrain, une vraie vision des choses, on reste tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Mais les phrases que « levez-vous », l'heure a sonné, allons-y, le moment est venu, l'heure a encore sonné une deuxième fois, cette fois-ci c'est la bonne fois, on compte sur vous,
Allez-y, c'est bon maintenant. Ce sont les phrases d'assassins. En fait, c'est des phrases pour aller mourir. Dans le chaos là, si on vous tue, on appelle la CPI. Si vous réussissez à prendre le pouvoir, on vient s'installer. Donc, les gens qui vous encouragent comme ça, eux, ils ne peuvent jamais perdre. Vous allez mourir, on prend vos photos, on fait assez plus de dossiers, les sanctions tombent. Les gens vont mourir, ils prennent le pouvoir en mourant, on vous dit merci, voici la jambe de fleurs, voici vos funérailles, on met de requiem à Sainte-Marie avec Mazin V, une fois par an, la vie continue. On se comprend, non? Voilà. Donc, moi, je vous dis, et je parle à mes gens, ceux qui sont têtus, ceux qui sont obstinés, faites ce que vous voulez. Ne venez pas sur ma page, je n'ai rien à foutre de vos vues, allez loin, loin. Mais ceux qui sont censés, pour vos parents, vos enfants, vos amis, dites-leur qu'il n'y a pas une nouvelle au Gabon qui te fera te lever tant que tu n'es pas prêt pour te lever avec tes frères et tes leaders, avec un plan clair. Donc tu restes à la maison.